Tu sais bien qu'on n'est pas censé dire non à la liberté. L'histoire est pleine de gens qui se sont battus pour qu'on la leur rende. Dire non à la liberté, pour un mitard, c'est comme refuser une occasion garantie de s'évader. Et tu sais aussi que la liberté peut terrifier un taulard. Tu l'as vu en démolir plein. La survie en tôle dépend de ta capacité à décoder ton milieu, les gars qui l'occupent, le type de hiérarchie qui les lie entre eux et un tas de subtilités en rapport avec le statut d'un détenu, la nature de son crime, etc. Être libre, du jour au lendemain, c'est te faire enlever de cet univers au code clair pour te faire jeter dans un autre. Et cet univers qui t'attend de l'autre côté des portes closes, tu as vite fait piger que la complexité des codes de la prison n'est rien comparée à la complexité du monde normal. La prison avale tout cru celui qui rate son décodage. Mais ça reste un monde avec des limites. C'est précis, défini, sanctionné, surveillé. C'est à la portée de tous. Alors que le monde dehors ressemble à un territoire sans loi ni règles, qui bouge et change tout le temps, et où tous les moyens sont bons.